Bon, comme tu peux le voir, je ne suis pas dans la meilleure des positions. Heureusement que Régis est là pour m'aider. On n'a pas à se mentir, à ce moment précis, on se demande bien qu'est-ce qu'on fait là sous la pluie, qui a rendu le sol complètement impraticable. Mais bon, reprenons depuis le début si tu veux bien. Ce matin, on se prépare tranquillement. La nuit a été plutôt agréable. On a beau être fin octobre, il n'a pas fait trop froid dans les tentes. Même la pluie a décidé de nous lâcher les bottes pour la soirée. Il est temps pour nous de se faire un bon café pour se réveiller, de regarder l'itinéraire de la journée, et ce qu'on voit, c'est qu'on ne va pas chômer. On a plus de 500 km à faire aujourd'hui. Bon, avec une grande partie sur route, mais quand même. Alors c'est parti, on grimpe sur les bécanes, car il n'y a pas de temps à perdre. Voilà. Ça y est, on passe enfin la frontière. Nous sommes à présent en Espagne. Et comme tu peux le voir, le soleil ne fait pas vraiment partie de l'aventure. Malgré le mauvais temps, nous gardons notre bonne humeur. Le plaisir de rouler ensemble gomme cette pluie qui nous lâche pas. Et puis bon, si le soleil ne vient pas à nous, nous allons venir à lui. À ton avis, quel est le meilleur moyen de se réchauffer le cœur? Hey, 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 bienvenue en Espagne. Là, c'est parti, muchacho. C'est la sangria partie. Tiens, mec. Merci, mec. Santé. T'as quel temps de merde. La prochaine fois, on part en août. Ça sera mieux. Non. Non. Non, je suis bas en août. Après, moi, je peux en août. Parce que je suis en vacances en août. Oui. Moi je peux, mais je suis viré après. Mais donc, c'est que bon. Là mec, putain, on va dans un désert. Normalement, je sais pas, désert, moi je pense pas à la pluie. Hein. Bizarrement, je pense pas à la pluie. Hein. Là, je sais pas pourquoi. C'est désert, je sais pas. Même avec la pluie et cette pause sangria, nous avons bien avancé sur notre itinéraire. Et maintenant, nous arrivons sur le début de la section 17 du TET espagnol. Et attention, après ça a l'air un peu gras. Fini la route, c'est le début de la trace off-road. Et des complications qui vont avec. Ouais, là c'est gras. Ah bah je te remercie pour la trace que tu as faite là. Je l'ai suivie et ça a été nickel. Oh là.
Hey, sangria. Oh putain. Pour le moment, la trace reste bien praticable. Il faut faire attention à certains endroits, mais dans l'ensemble, tout va bien. Ça reste quand même bien boueux. Il suffit de voir la gueule des bécanes. Oh putain, devant le moteur aussi. Ça s'accumule entre le sabot moteur et le moteur, regarde. Oh mon dieu. Par contre, c'est maintenant que les ennuis commencent. La pluie va s'intensifier et rendre le sol argileux en véritable patinoire. Ouais, bah oui. Ouais. Là, c'est de la merde là. Allez, c'est bon? 1, 2, 3. Là, elle est dans l'ornière, je pense. 1, 2, 3. Allez, c'est bon. En fait, déséquilibré, mais mon pied se barre. Ah oui, bah oui, bah là, c'est une patinoire. Hein. Justement, j'avais réussi à trop gérer l'équilibre et tout, c'était bien. Mais il faut que les pieds tiennent. Ouais. Allez, c'est bon. Là, viens sur la gauche, là, si tu peux. Ouais. Désolé pour la caméra qui est mal positionnée, les gouttes d'eau sur l'objectif, mais là, c'est la merde. Ah bah tiens, qu'est-ce que je te disais? Là en fait, j'ai la jambe bloquée sous la moto. Je te demande comment je suis tombé? Je te dirai que j'en sais rien. Le cul de la bécane est parti, et avant même que je m'en rende compte, j'étais au sol. Heureusement que Régis est là, sinon j'y serais encore, je pense. Comme je te disais au début de la vidéo, on se demande qu'est-ce qui nous a pris de faire cette trace sous la pluie. C'est vraiment l'horreur. On n'avance pas, on ne prend aucun plaisir, et surtout on n'a pas d'échappatoire, aucune route à proximité. Il faut prendre notre mal en patience et continuer. D'après le GPS, il nous reste 50 km pour trouver le bitume. Ça va être long, mais pas le choix. On ne va pas rester là pour la nuit quand même. Surtout qu'on n'a plus de sangria ni de bière, ça va pas ça. Du coup, désolé, mais on décide d'arrêter de gérer les caméras pour la fin de la trace, de se concentrer uniquement sur la piste, pour sortir de ce merdier le plus rapidement possible. Le soir, nous prendrons un camping, histoire de prendre une bonne douche, de faire le plein de bière et de laver les bécanes. Et si tout va bien, demain nous serons dans le désert de Bardenas. Enfin, si tout va bien.